pour une transition réussie. Nous, sous-signés responsables de partis politiques et regroupements de partis politiques du Mali, considérant les situations sécuritaires, sociopolitiques, sanitaires et économiques complexes et sensibles de notre pays, désireux d'accompagner utilement la transition politique en cours jusqu'à son terme convenu dans la charte de la transition, librement consentie par le peuple à la suite des concertations nationales de septembre 2020. Nous fondons sur la dite charte, considérant les engagements pris par les autorités de la transition devant l'opinion nationale et la communauté internationale. Lançons un appel solennel au peuple malien, aux autorités de la transition et à l'ensemble des partenaires du Mali à l'effet de s'engager vers la réussite de la transition. À ce titre, nous, point 1, réitérons notre disponibilité à participer à toutes les initiatives de la transition pour asseoir une grande inclusivité dans la conduite des affaires publiques. 2. Soutenons les initiatives visant à instaurer et à renforcer la cohésion sociale, la stabilité et la sécurité du pays. 3. Estimons que la sortie durable de crise de notre pays suppose la conduite d'actions qui ne peuvent être envisagées pendant la seule période transitoire. Sommes de ce fait convaincus que le prochain pouvoir, issu des élections générales de fin de transition, devra impérativement travailler dans un esprit de rassemblement et d'inclusivité et conduire de profondes réformes. 5. Affirmons sans ambiguïté notre attachement au respect scrupuleux de la période de la transition et donc de la date retenue pour les prochaines élections générales, présidentielles et législatives, à savoir le 27 février 2022. 6. Demandons aux autorités de la transition de confirmer leur engagement à respecter ces échéances par la publication d'un chronogramme détaillé de tâches allant dans ce sens et par l'abandon de tout projet susceptible de mettre en cause le respect de ce délai. 7. Demandons à l'ensemble du peuple malien et à tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux de nous accompagner pour une transition réussie. 8. Décidons de la création d'un mécanisme de suivi de la présente déclaration. Fait à Bamako ce jour, lundi 26 juillet 2021. Je voudrais ajouter une petite phrase. Non, la déclaration sera transférée et transmise aux autorités de la transition et à l'ensemble des partenaires de notre pays.